Après des journées chargées, stressantes, il est parfois difficile de trouver le calme et l'apaisement pour s'endormir. Alors, je vous propose de réciter quelques prières du soir, de la nuit. Confier ses soucis à Dieu est la meilleure façon de libérer son cœur et son esprit de ceux qui nous tourmentent. Et ô combien des fois, et de retrouver la sérénité. Voici quelques prières pour se mettre sous la protection bienveillante et puissante des anges du Seigneur et pour s'abandonner avec confiance à notre Père très aimant. Ange de Dieu, toi qui es mon fidèle gardien et aux soins duquel j'ai été confié par la bonté suprême, daigne, durant cette nuit, m'éclairer, me garder, me conduire et me gouverner. Ô bienveillant archange, votre puissance est si grande sur le cœur de Dieu qu'il ne vous a jamais rien refusé, et votre charité pour nous est telle que tous ceux qui nous invoquent sont assurés de votre perpétuel secours. Plein de confiance en votre protection, je viens vous exposer humblement mes besoins. Dissipez mes ténèbres, conduisez-moi dans la voie, guérissez mes plaies et protégez-moi contre les tentations mauvaises. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombe à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, car tu es le Dieu des hommes. Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu. Tu nous connais par notre nom et tu tiens le monde dans tes mains. C'est pour nous unir à toi, nous, ton peuple sur cette terre, que tu nous as créés. Tu nous as appelés à cette vie. Tu es béni. Créateur de tous ceux qui existent, tu es béni, toi qui nous as mis au large
et nous donne à vivre dans ce temps, tu es béni. Pour la lumière de nos yeux et pour l'air que nous respirons, nous te rendons grâce. Pour toute la création, pour les œuvres de tes mains, pour tout ce que tu as fait parmi nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est pourquoi, avec tous les vivants et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi, nous rendons hommage à ton nom, Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi, inclinés devant toi, nous t'adorons en proclamant « Saint, 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 le Seigneur de toute puissance, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Viens nous délivrer, ô toi, Dieu très haut. Nous te rendons grâce, Père très saint. Seigneur notre Dieu, pour Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, tu l'as appelé et tu l'as envoyé nous servir et nous éclairer, apporter aux pauvres ton royaume, annoncer délivrance aux captifs, être pour nous tous et pour de bon, en effet, le reflet et l'image parfaite de ta miséricorde, de ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cet homme inoubliable, ton Fils, qui a accompli notre vie, notre mort, qui s'est donné de cœur et d'âme à notre monde. En effet, la nuit où il fut livré, il prit le pain dans ses mains, leva les yeux vers toi. Dieu, son Père Tout-Puissant, te rendit grâce, rompit le pain et le distribua à ses amis en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe, rendit grâce et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous et pour tous les hommes en rémission des péchés. Chaque fois que vous boirez de cette coupe, vous le ferez en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. Par ce signe, Seigneur notre Dieu, nous exprimons notre foi. Par ce signe, nous faisons mémoire de la passion et de la mort de ton Fils, de sa résurrection et de son entrée dans la gloire élevée à ta droite. Il intercède pour nous et viendra rendre justice aux vivants et aux morts le jour que tu as fixé. Nous t'en supplions, envoie sur nous ton Esprit Saint et donne à ce monde qui nous est cher un visage nouveau. Que la paix soit un lien véritable partout où vivent les hommes. Cette paix que nous ne savons pas construire nous-mêmes, ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous, force de Jésus-Christ au milieu de nous. Alors ton nom sera sanctifié, Seigneur notre Dieu. Par lui, avec lui, et en lui, dans cette communauté de l'Esprit-Saint et sur toute la terre, maintenant et tous les jours, jusque dans l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu en italien, symbole des apôtres. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio,
Nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria, Vergine, pati sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferni, il terzo giorno resuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Prière pour l'envoi en mission. Un jour, Jésus a dit à ses disciples qu'il avait compassion de la foule rassemblée autour de lui. La moisson est très abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer plus d'ouvriers. Dieu le Père, je te redis la prière que Jésus nous a apprise. Envoie beaucoup d'ouvriers travailler à ta moisson. Amen. Je vous propose d'écouter un « Je vous salue Marie » en anglais. Mais c'est pas moi qui la récite en anglais. Je ne sais pas l'anglais. Je ne connais pas. Pardonnez-moi. C'est quelqu'un qui va réciter en anglais et il va chanter aussi un morceau. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us poor sinners, now and at the hour of our death. Amen. Gentle woman, quiet light, morning star, so strong and bright, gentle mother, peaceful dove, teach us wisdom, teach us love. Je vous propose d'écouter maintenant un autre père chanter en espagnol. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga pronto tu reino y hágase tu voluntad. Tierra como en el cielo, que en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, y perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos y perdona nuestras culpas, como nosotros perdonamos, no nos dejes caer en tentación, Señor, no nos dejes caer en tentación, Señor.
Seigneur, je ne sais pas te prier. Sans cesse, mon corps s'agite et mes pensées se dispersent comme un troupeau indocile. Tout mon être te fuit. Je n'ai que mon vide à t'offrir. Pourtant, gauche, incertain et lourd, je suis là et je te contemple. Et toi, tu viens vers moi, toi le Très-Haut, le Très-Saint, le Tout-Puissant. Tu te penches sur moi, tu m'attends et tu m'accueilles. Tu es en moi comme une source qui s'ouvre au creux d'un vallon, tranquille et serein. Elle l'emplit de son murmure, elle répand sa fraîcheur et met dans mon cœur un chant de joie. Ne m'abandonne pas, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je retourne au néant. Reste en moi comme cette source. Son eau illumine mon opacité et vivifie la glaise dont tu m'as tiré. Fontaine inutile, deviens source à mon cœur. Je pourrais alors peut-être transmettre aux autres ce que j'ai reçu de toi. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons tant recours à vous. Je vais vous réciter un autre Père en italien. Padre nostro, che sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Priez, mes enfants. Mon fils, écoute. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Évangile de Luc 6, verset 12. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était seul. Évangile de Matthieu 14, verset 23 à 25. Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez, priez. Évangile de Marc 14, verset 34. Dans l'Évangile, quand Jésus veut prier, il va souvent sur la montagne. Comment expliquer cela? Aller sur la montagne, c'est monter, prendre de la hauteur, s'élever, donc se rapprocher du ciel, se rapprocher de Dieu. La montagne, c'est aussi un bon endroit pour être tranquille. Il n'y a personne, on est dans la nature,
sans bruit, sans agitation. C'est le lieu idéal pour être en paix et prier Dieu. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui vit dans le secret et qui te voit, te le rendra. Évangile de Luc 6, verset 12. Dans toutes ces situations, montagne, chambre, désert, lieu secret, c'est toujours tourné vers le Père, vers Dieu que l'on prie. Les apôtres de Jésus le voyaient souvent se retirer seul pour prier, et par cette situation, ils se demandaient comment il fallait prier. Dans l'évangile de Luc 11, verset 1, en réponse à la demande de ses disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier !» Jésus leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Un Je vous salue Marie en espagnol. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amen. Je vous propose d'écouter un autre père en espagnol, parlé par une jeune femme. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Nous allons prier maintenant Saint Joseph. Et à partir de ce jour, tous les soirs, nous aurons le plaisir d'avoir cette belle prière à Saint Joseph. Je pense que vous ne l'avez pas encore entendue, elle est très belle. J'en ai associé deux et nous l'aurons tous les soirs. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, homme juste et humble, tu as été choisi par Dieu pour être le Père adoptif de Jésus, le Sauveur du monde. Nous nous tournons vers toi dans nos besoins et nos préoccupations. Protège nos familles, guide nos décisions et aide-nous à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Saint Joseph, modèle de travailleur, intercède pour nous auprès de Dieu pour que nous trouvions un emploi digne et que nous accomplissions nos tâches avec dévouement et honnêteté. Toi qui as veillé sur la Sainte Famille, garde nos foyers et nos proches. Inspire-nous à être des parents aimants,
des conjoints fidèles et des amis dévoués. Ô Saint Joseph, patron de l'Église, prie pour nous afin que nous soyons des disciples fidèles et que nous suivions le chemin de la sainteté. Amen. Je vous propose d'écouter une prière pour tous les jours. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donnez pour Père au Fils de Dieu. Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je te salue, Marie, Mère de tous nos désirs d'être heureux. Tu es la terre qui a dit oui à la vie. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos recherches. Tu es chacun de nous qui cherche Jésus, sans bien comprendre sa vie et ses paroles. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos souffrances. Tu es la femme debout au pied de l'homme crucifié. Tu es la mère de tous ceux qui pleurent, l'innocence massacrée et le prisonnier torturé. Je te salue, Marie, Mère de Jésus et du disciple qui a cru. Tu es la mère des hommes et de l'Église. Tu es au carrefour de l'histoire du salut. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos Pentecôtes. Tu es avec les apôtres l'Église qui prie et accueille les dons du Saint-Esprit. Je te salue, Marie, Mère de toutes nos espérances. Tu es l'annonce de l'humanité transfigurée. Tu es la réussite de la création que Dieu a faite pour son éternité. Et c'est de Joseph Hubo. Aime-moi tel que tu es. Je connais ta misère, les combats et les tribulations de ton âme, la faiblesse et les infirmités de ton corps. Je sais ta lâcheté, tes péchés, tes défaillances. Je te dis quand même, donne-moi ton cœur. Aime-moi comme tu es. Si tu attends d'être un ange pour te livrer à l'amour, tu ne m'aimeras jamais. Même si tu retombes souvent dans ces fautes que tu ne voudrais jamais connaître, même si tu es lâche
dans la pratique de la vertu, je ne te permets pas de ne pas m'aimer. Aime-moi comme tu es, à chaque instant et à chaque situation que tu te trouves, dans la ferveur ou la sécheresse, dans la fidélité ou l'infidélité. Aime-moi tel que tu es. Je veux l'amour de ton cœur indigent. Si pour m'aimer tu attends d'être parfait, tu ne m'aimeras jamais. Ne pourrais-je pas faire de chaque grain de sable un séraphin tout radieux de pureté, de noblesse et d'amour? Ne pourrais-je pas, d'un seul signe de ma volonté, faire surgir du néant des milliers de saints, mille fois plus parfaits et plus aimant que ceux que j'ai créés? Ne suis-je pas le Tout-Puissant? Et s'il me plaît de laisser pour jamais dans le néant ces êtres merveilleux et de leur préférer ton pauvre amour, mon enfant, laisse-moi t'aimer. Je veux ton cœur. Je compte bien te former. Mais en attendant, je t'aime comme tu es, et je souhaite que tu fasses de même. Je désire voir, du fond de ta misère, monter l'amour. J'aime en toi jusqu'à ta faiblesse. J'aime l'amour des pauvres. Je veux que l'indigence s'élève continuellement, ce cri. Seigneur, je vous aime. C'est le chant de ton cœur qui m'importe. Qu'ai-je besoin de ta science et de tes talents? Ce ne sont pas des vertus que je te demande. Et si je t'en donnais, tu es si faible que bientôt l'amour-propre s'y mêlerait. Ne t'inquiète pas de cela. Je frappe et j'attends. Hâte-toi de m'ouvrir. N'allègue pas ta misère, ton indigence, car si tu les connaissais pleinement, tu mourrais de douleur. Cela seul qui pourrait me blesser le cœur, ce serait de te voir douter et manquer de confiance. Je veux que tu penses à moi à chaque heure du jour et de la nuit. Je ne veux pas que tu fasses l'action la plus insignifiante pour un autre motif que l'amour. Quand il te faudra souffrir, je te donnerai la force. Tu m'as donné l'amour, je te donnerai d'aimer au-delà de ce que tu peux souhaiter. Mais souviens-toi, aime-moi tel que tu es. N'attends pas d'être un saint pour te livrer à l'amour. Sinon, tu ne m'aimeras jamais. Louange et abandon à notre Père. Père éternel, je viens te rendre grâce, te remercier au matin de ce jour nouveau, parce que tu m'accordes ta grâce, qui fait que je suis encore en vie sur cette terre des vivants. Ô Père d'amour, mon tendre Père, c'est toi seul le Dieu de la vie. Je ne suis pas maître de mon souffle pour pouvoir le retenir. C'est toi qui me renouvelle la vie. C'est toi qui me donne la santé, la force et la joie de vivre en ce monde, pas toujours accueillant et bien souvent ténébreux. Je reconnais avec gratitude que tu m'as voulu et que tu m'as créé. Tu as soufflé ton souffle de vie en moi et je suis devenu une âme vivante. Père éternel, en ce jour nouveau, fais briller ta lumière sur ma vie. Père, je bénis ton saint nom dans le nom puissant de Jésus. De tout mon cœur, je te connais comme le soutien de ma vie. J'étais perdu dans mes péchés
je suivais mes propres voies. Je vivais alors dans l'insouciance, l'égoïsme, la solitude. Je ne cherchais pas un sens positif à ma vie, ici-bas. Mais toi, Père, tu veillais sur moi, car tu m'aimes et tu veux me retrouver, me voir sauvé de retour près de toi. Tu as envoyé ta fille bénie, maman Marie, et c'est par elle que tu m'as fait connaître ton Fils unique et bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, Jésus, qui a vivifié mon esprit, m'a donné la vie nouvelle, la vie éternelle. Avec Jésus, mon frère, mon sauveur et mon roi, Père, je te loue de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force. C'est toi, mon Dieu, mon Créateur, et je désire du plus profond de mon être en ce jour nouveau te dire combien je désire que tu fasses briller ta lumière dans ma vie. Ô Père des Lumières, je te prie d'éclairer toutes les ténèbres qui me restent encore. Je ne veux plus rester dans les ténèbres. Je désire marcher dans la lumière de la vie, au nom de Jésus. Merveilleux Père d'amour, en ce jour qui commence avec le soutien de la très sainte Vierge Marie et à la suite de Jésus, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, je m'abandonne à toi pour ce jour, pour toujours. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Prière à Marie, Reine de France, pour le salut et la conversion de la France. Ô Marie, Reine du ciel et de la terre, vous qui avez été sacrée Reine de France, protégez tous vos enfants, accordez-leur sans cesse votre soutien maternel, votre secours en toutes circonstances. Mettez en déroute avec les légions célestes à vos côtés les ennemis de la Sainte Église, tous ceux qui se moquent des lois divines et qui veulent mettre en échec le plan de salut de Dieu à travers la France. Vierge Marie et Saint Joseph, accordez à tous les Français la force de réagir devant une telle situation d'incroyance et d'impiété. Que la foi brille à nouveau en France et soit un flambeau de vie et de vérité pour toutes les nations. Reine de France, soyez désormais victorieuse avec les légions célestes, avec Saint Joseph et tous les saints et saintes de France. Que la France, votre fille, retrouve grâce aux yeux de votre divin Fils, que ses péchés nombreux lui soient pardonnés, et que la paix, l'amour et la vraie liberté, celle qui vient de Dieu et non des hommes, soit à nouveau un modèle pour tous. Reine de France, priez pour nous et venez au secours de tant d'âmes en péril. Reine de France, soyez victorieuse en France et dans le monde entier. Sacré cœur de Jésus, venez au secours de la France. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ainsi s'achève notre soirée prière. J'espère que tout le monde est satisfait. Et avant de nous quitter,
nous allons terminer avec un autre Père et je vous salue Marie. Vous vous joignez à moi et je prie avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous te saluons, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Ô Marie, conçue sans péché, prie pour nous qui avons tant recours à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous remercie à tous, frères et sœurs, d'avoir suivi toutes ces belles prières. Je vous donne rendez-vous à demain soir. Bonne nuit, dans la paix de Dieu.